Cette réforme des retraites est un cache-sexe pour quelque chose de bien plus terrible. Ja, ich habe manchmal so Reaktionen aus Deutschland, so nach dem Motto, ach ja, die Franzosen, die protestieren halt gerne und sind halt nie zufrieden. Nous, par rapport à certains d'autres pays d'Europe, nous avons la double sanction. Aber so richtig betreffen tut uns das Ganze nicht. Et cette bataille-là, c'est tout simple, quoi. Ce sont des choix politiques. Et c'est vrai que plus on se battra, plus on peut peut-être aider les autres populations, les autres peuples à relever la tête. Et... on est en manif, là, c'est quoi? Alors, on redresse. On a essayé de partir discrètement, mais ça n'a pas marché. Métro, boulot, caveau, on n'en veut pas de cette réforme-là. Métro, boulot, caveau, on n'en veut pas de cette réforme-là. Métro, boulot, caveau. La réforme des retraites prévoit de travailler 2 ans de plus, ce qui aura pour conséquence beaucoup de retraites qui ne seront pas à taux plein. Et pour ceux qui ont fait des études, comme les professeurs, vont commencer à 63 ans et finiront à 66 ans, et non pas à 64 pour avoir une retraite à taux plein. On nous a reculé par le passé justement la durée de cotisation, qui est passée à 43 ans, et par rapport à la retraite maintenant, elle passerait à 64 ans. Donc c'est vraiment la double peine, alors que certains pays européens, comme l'Allemagne, ont 35 ans en indemnité à faire. Die Reform greift sofort, praktisch ohne Übergang. Also es gibt selbst die Leute, die jetzt im September in Rente hätten gehen können, sind davon nicht verschont. Das löst einen ungeheuren Frust aus bei den Leuten, ungeheure Wut. Manche Leute haben auch ihren konkreten Plan schon, haben ihre Wohnung aufgelöst, Mietvertrag gekündigt, Haus verkauft und haben eventuell schon vorgehabt, im Oktober was anderes anzufangen, und das alles bricht in sich zusammen jetzt. Par exemple, nos sénateurs qui sont des élus, c'est public, hein, ils refusent de parler de leur régime de retraite. Sauf que il y a eu des témoignages d'anciens sénateurs qui ont expliqué que, par exemple, pour un ouvrier, pour toucher 1400 euros de retraite, il faut cotiser pendant 40 ans. 40 ans de travail cotisable. Hein. Un sénateur, en 2 ans, il a cette somme. En 2 ans. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il est hors de question qu'on bosse 2 ans de plus, à nouveau, pour engraisser les plus riches. C'est honteux. C'est honteux. On leur a tout fait aux patrons pour qu'ils soient bien. On leur a fait sauter les cotisations patronales pendant la pandémie. Même pendant là, on leur fait des cadeaux. Le CICE qui est dispersé, c'est n'importe quoi. Tout ça pour qu'ils créent de l'emploi. Il y a 14 chômeurs pour un emploi vacant donné par le privé. 14 pour un. Et on nous dit qu'on est des fainéants. Si, c'est pas dégueulasse, ça, au bout d'un moment. Et donc oui, on est en colère. Évidemment qu'on est fâchés. Et là, on commence à mesurer l'importance, y compris internationale, de cette mobilisation-là, parce qu'en fait, c'est une bataille qui concerne tout le monde, toutes les populations d'Europe, on pourrait même dire de la planète entière, parce que c'est une bataille pour le droit à la retraite, pour le droit à travailler moins, contre les surproductions, contre le productivisme, enfin contre les logiques capitalistes. Et on voit bien que partout, on subit les mêmes attaques dans des calendriers différents, mais on va tous vers la même chose, on va toujours travailler plus longtemps, plus loin, beaucoup plus, avec beaucoup plus de chômage aussi par ailleurs et de la précarité. Tu sais, du fait qu'on décale l'âge de la retraite, tu vois, toi demain t'auras tes petits-enfants, on va pas t'en occuper, parce que justement on te retarde 2 ans de plus. Pareil pour t'investir dans le milieu associatif, on te retarde 2 ans de plus. Et donc du coup, le tissu associatif va se désagréger, tu vois, il y aura un truc comme ça aussi à rajouter. Mais...
Also, um in Frankreich zu streiken, müssen viele Leute hohe persönliche Opfer bringen. Das ist häufig den Leuten in Deutschland gar nicht so bekannt, weil so der Eindruck herrscht oder der Mythos ist so, die Franzosen sind ständig am Streiken. Also jeder Streiktag ist ein unbezahlter Tag. Die Franzosen leiden genauso wie die Deutschen derzeit an der Inflation, an steigenden Strompreisen, an steigenden Mietpreisen. Vielen Leuten steht das Wasser bis zum Hals. C'est du fait de ce 49-3 qui nous paraît très injuste. Que nous en sommes arrivés là. Jamais nous ne pensions justement en arriver là. J'espère que la situation ne va pas aller jusqu'à la casse et que M. Macron entendra justement le Conseil constitutionnel en acceptant la voie référendaire. Le 49-3, en fait, la constitution de la Ve République permet en fait, comment dire, des portes de sortie à un gouvernement qui serait pris dans un débat qui durerait trop longtemps à l'Assemblée nationale. Le 49-3, ça en fait partie. On a découvert qu'il y avait d'autres articles qui permettaient ça. C'est-à-dire que si les débats s'éternisent à l'Assemblée, le gouvernement peut décider de couper court. Et tous les amendements qui ont été présentés sont rejetés, c'est le texte brut. Ja, das ist so ein typisches Beispiel. Ne? Leute liegen bereits auf der Erde und werden weitergeknüppelt. Andere, die ihnen helfen wollen, werden daran gehindert. Auch Journalisten, die ihre Pressekarte zeigen, werden auch angegriffen. Und dann stürmen sie in die Masse und schlagen drauf. Ne? Oder sprühen Tränengas in geschlossene Cafés oder in geschlossene Wohnungen. Und das Ganze zielt darauf ab, dass die Leute Angst kriegen sollen vor dem Demonstrieren, dass sie sich nicht mehr trauen, auf die Straße zu gehen. Il va regarder si les articles utilisés comme le 49.3, le 47.6 ont bien été utilisés. Et ça n'a pas bien été utilisé, justement, ils pourront partiellement abroger le texte, ce qu'on espère dans un sens. Mais de l'autre, on préférait qu'il
qu'il accepte aussi la voie référendaire. Parce que c'est cela qui fera que la population se mobilisera. On bloquera les ronds-points, on fera des barrages filtrants. C'est ce qu'on souhaite justement pour faire adopter les gens à la situation de signer la pétition. Il nous faut 10% du corps électoral pour faire adopter la voie référendaire. Die Widerstandsbewegung gegen das Gesetz hat noch eine Hoffnung, dass der Verfassungsrat sagen könnte, die Prozedur war nicht verfassungsmäßig. Der Präsident vom Verfassungsrat ist der Vater eines jungen Mannes, der Generaldirektor bei McKinsey ist. Und McKinsey berät eben auch die internationalen Rentenfonds, die von dieser Reform profitieren wollen. Von daher sehe ich da so keine großen Chancen. Aber gut, man kann nie wissen, man ist nie vor einer positiven Überraschung sicher. On ne compte pas sur le Conseil constitutionnel. Nous, on prend cette grève. Dans la rue, c'est notre pouvoir, la grève générale c'est notre pouvoir, on n'attend rien du gouvernement. La force c'est les travailleurs, c'est la grève, c'est notre 49-3. Ça ne changera rien, on sera toujours dans la rue en train de protester. Parce que nous on ne compte pas sur le Conseil constitutionnel, on se battra encore dans la rue, encore et toujours. On est soudés, on est mobilisés, on ne lâchera rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Et là, ce qu'on est en train de mesurer, c'est que pour nous, c'est déjà quelque chose qui bouleverse le climat social dans le pays, en France. Mais on s'aperçoit aussi par des liens internationaux avec des camarades syndicalistes ou des camarades militants politiques d'autres pays, on s'aperçoit que ce mouvement-là, il peut avoir un impact bien au-delà de ce qui se passe en France. Parce qu'on subit exactement les mêmes attaques, les mêmes remises en question des retraites, les mêmes attaques contre les droits des travailleurs, chômage, précarité. Et donc notre bagarre, en fait, elle concerne tout le monde. Et ce qu'on peut espérer, c'est que la mobilisation soit suffisamment forte et suffisamment longue pour redonner de la dynamique dans les luttes sociales dans les autres pays, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni. Il y a déjà des luttes en plus au Royaume-Uni, il y a des mobilisations en Espagne aussi, on a vu en Belgique aussi. Bon voilà, donc comment un mouvement ici peut déborder les frontières et faire pourquoi pas à un moment donné une lutte européenne des peuples, des populations, pour le droit à la retraite à 60 ans, pour le droit à un travail décent, à ne pas se faire surexploiter, et donc de mener une bataille contre les capitalistes, on a les mêmes adversaires partout. Donc on peut espérer ça, mais un peu comme les indignés à une époque avaient pu être un mouvement contagieux, comme dans d'autres histoires, dans d'autres périodes, on avait des mouvements qui ont passé par-dessus les frontières. Donc là, c'est peut-être ça qui peut être hyper, hyper chouette, c'est qu'en fait, ça peut déboucher sur un réamorçage de la mobilisation à l'échelle européenne. Le système gaulliste tue toute forme de politique parce qu'au final, le seul enjeu, on s'en fout des idées, c'est d'arriver à mettre ses fesses à l'Élysée. Et ça, c'est l'envers de toute forme de démocratie. Meine Hoffnung wäre, wie die viele andere, dass es zum Ende der Fünften Republik führen würde. Was ist die Fünfte Republik? Also hier zählt man die Republiken, Dritte, Vierte, Fünfte. Das ist jedes Mal, wenn eine neue Verfassung rauskommt. Die Verfassung der Fünften Republik, die wir derzeit haben, die wurde von de Gaulle Ende der 50er Jahre erstellt und die passt halt überhaupt nicht mehr. Dieses Präsidentialregime, wo der Präsident praktisch wie ein absoluter Monarch regiert, ist völlig inakzeptabel, ist völlig anachronistisch in der heutigen Zeit. Ne? Und eine grundlegend neue Verfassung, das wäre das Minimum sozusagen, was, um irgendwie, damit sich hier wirklich was ändert.
bien la confiance en fait. On se dit que ça peut changer, ça peut bouger. Ça fait, voilà, on fait trembler le gouvernement et certainement que les autres gouvernements tremblent aussi un petit peu parce que l'info ne circule pas tant que ça. Et il y a une volonté d'isoler l'info sur la mobilisation sociale et c'est aussi le signe d'une crainte des autres pouvoirs parce qu'ils savent qu'une lutte c'est contagieux. Ils savent qu'une lutte ça peut donner envie à d'autres, ça peut redonner de la confiance à d'autres. Donc voilà, on est là-dedans. Donc oui, on espère beaucoup.